Madame Issier, bonsoir. Premier ministre et leader de l'Alliance Les Peuples, Pravin Kumar Jugnauth, a annoncé que tous les enfants jusqu'à 18 ans pour gagner une allocation 5000 roupies par mois dans ce prochain mandat. L'objectif sous la ZBAN par an. Des experts en droit international in réagissent au dossier Chagos, je dis qu'il retourne souveraineté à Maurice. Le Chagos représente libération et la justice, un moment historique. Je tiens à intervenir dans l'émission Talk Africa, le CGTN. Aujourd'hui, la veille Nomination Day, tiena une réunion dans la commission électorale et que ban Returning Officers, si aussi à la zone ban policiers et ban officiers qui pour travailler avec eux demain. Et aujourd'hui, grand matin, l'Alliance du changement qui regroupe 4 partis politiques qui présentent 60 candidats pour l'élection générale qui pour faire les 10 novembre. Dans ma nouvelle DO, Premier ministre indien, Sri Narendra Modi, il fait un lancement NDTV World Summit 2024 qui peut faire dans l'Inde. Dans ce discours, il cause l'Oban Challenge qui les mondes peut faire face. Nous commençons ce journal-là avec sa mesure qui est annoncée par le Premier ministre et le leader de l'Alliance, les PEP, tous les enfants jusqu'à 18 ans pour gagner une allocation mensuelle de 5000 roupies. Pravin Kumar Jugnauth, India qui sa mesure-là pour prendre effet dans ce prochain mandat. L'idée qui l'objectif, c'est assurer qu'ils bannent parents élever ses enfants dans de meilleures conditions. C'est un mesure qui concerne tous enfants la République Maurice qui est non moins que 18 ans. Les autres parents pourraient recevoir une allocation 5000 roupies par enfant chaque mois. C'est l'annonce qui Premier ministre et leader l'Alliance Les Peuples in faire. Pravin Kumar Jugnauth a précisé que sa mesure là pour prendre l'effet dans ce prochain mandat. Une fois qu'il y rentre en vigueur, sa mesure-là n'est pas pour appliquer Zispouban Tibaba qui fait qu'il mais il concerne tous enfants, n'importe qui l'âge. Et ça, jusqu'à qu'ils gagnent 18 ans. Par exemple, un enfant de 10 ans pour gagner allocation là jusqu'à sa majorité, pareil comme pour un petit bébé 1 an ou un jeune 15 ans. Dans le prochain mandat, on finit par l'engagement. Un enfant qu'on est né. Jusqu'à ce qu'il 18 ans, les parents pour gagner pas enfants 5000 roupies tous les mois. Parce qu'ils voulaient qu'il y ait un parent qui capable de subvenir à besoin de ses enfants. Ils voulaient qu'il y ait un parent qui capable d'élever ses enfants dans les meilleures conditions possibles. Parole qui Pravin Jugnauth donné, c'est parole sacrée. Peu importe qui quantité d'enfants une famille et non, l'allocation 5000 roupies pour payer pour chaque enfant quand sa mesure là pour entrer en vigueur. Par exemple, si une famille et non 3 enfants moins que 18 ans, il peut gagner 15000 roupies. Premier ministre dit qu'il peut prendre l'engagement pour mettre en pratique sa mesure-là. Pravin Kumar Jugnauth dit que c'est une initiative révolutionnaire et que chaque mesure, seul objectif, c'est soulager différentes catégories de population, qui les enfants, zen ou grands immunes. Un enfant qui peut gagner 5000 roupies chaque mois depuis sa naissance, lui peut gagner au total un montant 1 080 000 roupies à l'âge de 18 ans. Et comment Mondiao, en titre d'expert en droit international, il réagit le dossier Chagos, je dis qu'il retourne souveraineté Maurice, le Chagos les représente libération et la justice. Je tiens à intervenir dans l'émission Turc Africa, le CGTN. Depuis l'annonce le 3 octobre dernier, reconnaissance pour Londres, souveraineté Maurice, l'archipel Chagos, l'espoir d'un retour pour les Chagosiens aux autres îles natales à Pérévigny. Et c'est dans ce même contexte-là qu'une chaîne télévision chinoise CGTN fin invite Olivier Bancoult, leader groupe réfugiés Chagos, pour participer dans son émission Talk Africa. The UK is returning the Chagos Islands to Mauritius. Olivier Bancoult fin cause entre autres l'eau déracinement difficile ban Chagosien depuis les îles natales pendant période 1965 à 1973. Après l'accord entre Royaume-Uni et Maurice, accord qui pour capable permettre à ban Chagosien retourne aux autres îles natales, Olivier Bancoult souhaite défendre encore plus droit à la communauté chagosienne. Pour rappel, sa reconnaissance souveraineté Maurice de Chagos fin vin possible après 2 ans de négociations qui Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth fin amené.
Déracinement banchagossien d'épisode l'île natale fin déroule dans une manière insiste. Nous souhaitons qu'il y ait une réparation. Azodi y a presque 500 natifs l'ocipel qui sont encore vivants, avec la plupart qui fin décédés. Dans la deuxième partie de l'émission Talk Africa, des experts en droit international fin expriment leur implication restitution historique banzil chagos à Maurice. Nous saluons retour souveraineté Chagos à Maurice, majorité ban pays africain in lité pour libération totale de territoire en intégralité qui signifiait une vraie indépendance. C'est une étape historique vers la justice et le règlement ban litige, c'est un pas dans la bonne direction. C'est donc un lieu d'espoir pour la communauté chagossienne après qu'ils ont fini souffert pendant plusieurs années. Chief Electoral Officer Madame Vijani Kunjani fait une conférence de presse en début de soirée. Lydia qui prochaine élection pour accepter 10 des pièces d'identité quand ban votant pour elle voter, notamment carte d'identité nationale et passeport et qui pour bien présenter physiquement. Pour ban qui peine ni carte d'identité ni passeport, bureau commissaire électoral, il fait ban arrangement spécial avec MNIC pour qu'ils aient gagné leur carte d'identité plus vite possible. L'in aussi dit qui pour élection dans chaque centre de vote, ban candidat pour une possibilité mettre deux agents ou comment ça t'y était avant. Nous écoute Chief Electoral Officer. Pour capable voter un électeur, il besoin soit ce carte d'identité ou ce passeport physique. Nous pas pour accepter photocopie carte d'identité ou passeport. Nous pas pour accepter aussi une photo ou un scan une carte d'identité l'eau portable, l'eau un téléphone portable. Si un jeune perd ce carte d'identité, il permet un mémo la police dans le centre de vote, ça aussi nous pas pour accepter. Pour qu'il y ait un monde capable de faire une application pour ce code d'identité, le bureau électoral, il fait un arrangement spécial avec MNIC, que tu es capable de faire une application du 23 octobre jusqu'à vendredi 8 novembre. Ben, centre MNIC pour ouvrir de 9h à 18h lundi à vendredi, de 9h à 16h ben, samedi, et de 9h à midi, les jours de dimanche et congé public. Nous invitons Ben Jimoun qui est bizarre, remplace notre carte d'identité pour aller dans différents centres. Là. Donc, c'est NPF Building dans Rosine, FLAC National Identity Card Center dans le centre de FLAC, bâtiment Emmanuel Anquetil dans Pont-Louis et bureau de l'État civil dans Pont-Mathurin pour ben à Rodrigue. Nous pouvons faire un arrangement qui est le plus vite possible pour gagner notre carte d'identité. Une question, madame, pourquoi vous voulez faire un changement en termes de nombre d'agents qui est représentant? Non, il n'y a aucun changement. Tout personne capable de mettre des agents. Le bureau électoral il prend toute disposition pour mettre deux agents. Comme c'était tout le temps. Pour qui nomination dépasse bien demain, tiens à ban préparatif azourdi, ban returning officers, si elles ont ban policiers, ban officiers qui vous travaillent avec eux, tu aussi en une réunion dans la commission électorale. À la commission électorale, ban dernier préparatif en cours pour assurer bon déroulement nomination day. Entre ban réunion et ban dernier rencontre au terrain, dans ban nomination centers, bizan aussi rappelle ban candidat qui eux bizan et n'a tout ban document qui nécessaire. Mon préparatif est terminé, mon requisite qui mon returning officer pour servir est fini prêt. Mon candidat a un nomination paper bien rempli et il y a 4 parrains. Je n'ai pas nécessaire venir mon parrain là, je tiens ce document là, je t'ai quitté avec le candidat. Le candidat a besoin d'amener ce nomination paper, ce ID ou passeport physique. Et s'ils font partie d'une partie ou bien partie alliance, ils ont un certificat autorisé servi le nom du parti et le symbole. Je nom bien pareil comme un leader registre, avec l'adresse pareil comme un leader registre.
Présentation 60 candidats à l'Alliance du Changement, Tiffé Azourdi Gramatin, l'Alliance du Changement. Il y a 4 partis politiques, Parti Travailliste, le MMM, Nouveau Démocrate et Résistance et Alternative. À nous guette la liste 60 candidats dans 20 circonscriptions pour élections générales les 10 novembre. L'Alliance Changement fin procède à la présentation officielle ce 60 candidats pour élections. Circonscription numéro 1, Grande Rivière Nord-Ouest, Port-Louis-Ouest, Gilles Fabrice David, Ariane Navarre-Marie, Kougan Parapène. Circonscription numéro 2, Port-Louis-Sud, Port-Louis-Centre, Ousmane Mahomed, Dr Farad Omir, Reza Outim. Circonscription numéro 3, Port-Louis-Maritime, Port-Louis-Est, Shakil Mohamed, Echan Djouman, Adil Amir Mia. Circonscription numéro 4, Port-Louis-Nord, Montagne-Longue, Ashok Soubron, Annabelle Savabadi, Ludovic Caserne. Circonscription numéro 5, Pamplemousse-Triolet, Dr Navin Chandra Ramgoulam, Ranjiv Wuchit, Kaviraj Rokni. Circonscription numéro 6, Grand B, Poutre d'Or, Maen Ganga Parsad, Nitish Bijan, Ram Etwaria. Circonscription numéro 7, Piton Rivière du Rempart, Lochmana Raj Pentia, Sandeep Nitin Prayag, Kaviraj Sharma Soukoun. Circonscription numéro 8, quartier militaire Moka, Daneshwar Damri, Babita Tanou, Govinden Venkatasamy. Circonscription numéro 9, Flak Bon Accueil, Anil Kumar Bechou, Chanda Prakash Avinash Ramkalawan, Raviraj Sina Bichouk. Circonscription numéro 10, Montagne Blanche, Grande Rivière Sud-Est, Reza Somtali, Avinash Ramtoel, Chetan Baboulal. Circonscription numéro 11, Vieux Grand Port Rosebel, Ashley Ramdas, Anishta Babouram, Manoj Sibun. Circonscription numéro 12, Maïbourg Plaine Magnan, Dananjay Ritish Ramfol, Kevin C. Lokiram, Tony Apollon. Circonscription numéro 13, Rivière des Anguilles Souillac, Rajen Norsingen, Robna Doriaou, Roshan Djoumen. Circonscription numéro 14, Savane Rivière Noire, Véronique Legovin, Ravine Jagarnath, Arvin Babadji. Circonscription numéro 15, La Caverne Phoenix, Koucha Lebin, Patrick Asiavaden, Fauzi Alimen. Circonscription numéro 16, Vakwa Floréal, Johanna Béranger, Jyoti Jiten, Mahendra Gundia. Circonscription numéro 17, Kyopip Midlands, Michael Sikuen, Ajay Ganes, Richard Duval. Circonscription numéro 18, Belle Rose 4 Bornes, Dr Arvin Boulel, Stéphanie Anquetil, Veda Singam, Veda Baloumoudi. Circonscription numéro 19, Stanley Rosil, Paul Béranger, Deven Agalingum, Sidney Pierre. Et la circonscription numéro 20, Bobassin Petite Rivière, Rajesh Bagwan, Karen Foukyoun, Franco Kirin. Et KMBC pour rendez-vous demain pour faire ou vivre sa journée de dépôt de candidature en base ban prochaine législative. Nous vous proposons un plateau spécial au MBCN de 10h à 15h. Nous banons l'équipe qui postait dans 21 centres de dépôt de candidature pour intervenir en direct pour fournir ou ban dernière l'information. Bien noté qu'il n'y a pas un journal en créole de 19h demain, mais un grand journal télévisé à partir de 19h30. Nos bulletins en anglais pour diffuser ensuite à 21h au MBC5. Et côté radio, pour une émission spéciale en direct demain, leur Cool FM à partir de 9h30, plateforme numérique MBC pour permettre tout également suivre Nomination Day demain. Et dans Rodrigue pour Nomination Day là-bas, aussi tient la bonne préparatif, nous allons faire un reportage là. Avec l'emplacement Nomination Center qui situait dans Anseaux Anglais, la police y prend certaines dispositions pour qui dépôt candidatier y passe en toute sécurité et dans de meilleures conditions. Prenant une forte mobilisation, la police depuis bonnet grand matin et qu'une partie la route littorale qui a vers l'hôtel Les Cocotiers pour fermer à la circulation. Divisional Commander fait appel à la collaboration tout du monde. À partir de 7h, nous prenons un gros dispositif la police pour sa place, environ 70 policiers pour dans un périmètre de 200 mètres, ça s'entre là, pour assurer la sécurité, que ce soit pour Manjoun en général, membre public en général, mais aussi les candidats, parrains, autres agents, etc., qui peuvent venir pour faire l'enregistrement. L'exercice dépôt candidature pour déroule entre 9h et
15h, à partir de 7h30, 24 commissions électorales pour déjà sur place. Commencer à partir de 9h et pour terminer à 3h. C'est ça, dans la période-là, c'est une continuous période. Donc, pas prendre un déjeuner, pas prendre un rien, tout le monde officier pour présent. 3h, la porte pour fermer. Parce qu'il ne peut pas accepter aucun nomination paper à partir de 3h. À partir de 3h et 4h, nous avons ce qu'on appelle une objection. Commission électorale, une finaliste, ben, dernier détail, dans le cas de nomination day, ça lundi après-midi là, lors d'une séance travail dans 11 aux Anglais, une vingtaine SPO, senior presiding officers, qui responsable, ben, 20 descentes de vote dans l'île, pour mobiliser pour l'exercice dépôt candidature. Ban abonné MBC qui puis encore gagne problème réception ban chaîne capable téléphone MCML lors 675-0602 670-8599 ou le 5753-3351. Après réallocation, ban fréquence pour télévision numérique terrestre qui ne fait à Paulita MCML, il ne fait une reconfiguration ban fréquence lors ban six transmissions montagne des signaux Théa Rouge et Coromandel. Ban technicien MCML est à disposition pour ban l'assistance. Et nous marquons une pause publicitaire. Vous avez travaillé dur pendant toutes ces années. Pour votre famille, pour vos enfants, c'est l'heure d'en profiter. Vous le méritez. Bénéficiez d'une retraite paisible avec Absa Bank. Avec Absa Pensional Savings, l'intérêt est payé chaque mois. Et en prime, un 13e mois d'intérêt. Absa Bank vous offre aussi d'autres avantages pour une retraite en toute sérénité. Visitez une branche Absa ou appelez sur le 402 000. Les grandes compétitions de football sur le pack New World Sport avec Mighty pour seulement 300 roupies par mois. Vous pouvez vous abonner de chez vous à travers votre télécommande ou sur le www.mighty.me. Maurice Pay prépare pour accueillir la 44e conférence Commonwealth Association of Tax Administrators, CATA. C'est la deuxième fois que Maurice peut accueillir cet événement-là. Une trentaine de pays Commonwealth pour présenter sa conférence-là pour faire le 22 jusqu'à 25 octobre dans Balaclava. Thème Salanella, les remodeler l'administration fiscale dans un paysage dynamique. Dans ma nouvelle vidéo, NDTV PFSO événement fort, c'est-à-dire NDTV World Summit 2024, The India Century. Premier ministre indien Narendra Modi fait ce lancement. Dans ce discours, il expliquait comment l'Inde, important dans ce siècle-là, et qui fait un pays bien ensemble pour élever, un challenge dans le monde, comment changement climatique, la guerre dans les mondes, et aussi comment faire face post-pandémie COVID-19. Et nous faisons un point à l'eau, nouvelle l'étang selon Station Météo Vakua, un courant d'air les épaissiakil l'eau nous région, un anticyclone depuis sud-ouest pour renforcer légèrement divan l'eau nous région à partir demain. L'étang pour mi-couvert avec ben la pli à soir, l'eau ban région qui est en hauteur, et qu'à soir et que demain grand matin aussi, pouena ban la pli passagère dans l'est, dans les cides et que l'eau plateau central. L'étang pour mi-couvert pendant la journée, divan pour souffler depuis l'est, l'eau 25 km/h qui est capable d'augmenter jusqu'à 50 km/h. La mer pour hésiter au délai ban récif avec bonne vague, l'eau démette, marée haute demain 4h17 et 14h40, marée basse 21h25 et demain nevea 31, soleil pour lever demain à 5h33. Nous finissons la fin de sa zone là, merci de suivre, bonne soirée, l'eau bonne scène, MBC.